Je dirais bonjour à Nico de ta part. Oh, ça y est, ça mini-flame. Allez, double sort lag. Le visor de Crowder, il y tient ce personnage visiblement. Doom, Nyx, ok. Et Doom, très bien. Allez, mesdames et messieurs, il est pas encore 22h. On est une bonne grosse vingtaine là. Il est temps de spammer. Il est temps de claquer des PogChamp et des quad damage. Secondes avant le début de ce BO1, donc final loser bracket qui déterminera qui ira rejoindre Nico en grande finale de cette deuxième Friday Cup de la Quake League. Allez, on part sur Kashi avec un shotgun starter, il s'empare du méga avec sa sœur lag et qui ramasse un petit lance-roquette. Ah, c'est vrai que Crowder n'a pas encore été s'emparer du... de la Heavy Armor avec son visor, tu vois. Ah ben ça y est, c'est chose faite. Ok. Voilà, il a entendu son adversaire arriver au niveau du nail gun. Ah, il tend une embuscade. Ah, après, celui-ci s'éloigne. D'accord. Pour l'instant, les adversaires se cherchent. Ah, le méga revient tout de suite. Ah, il est parti pour l'attendre longtemps, mine de rien, la Heavy. Kashi, il l'a bien compris. Attends, avantage positionnel du côté de Crowder qui redescend pour aller chercher cette sœur lag. Double splash damage de la roquette suivi d'une petite touche au railgun avec ce wall hack qui n'était pas très nécessaire. Mais bon, si ça lui fait plaisir, il l'a claqué. Voilà, oh le pauvre, il s'est pris l'ulti de la sœur lag. Il est plus qu'à 129 HP maintenant sur... Oula, le petit spawn du côté de... la petite ulti au spawn du côté de Kashi qui a patate le visor de Crowder et l'a envoyé voir ailleurs s'il y est. Voilà, ward stop, ward stop. Stopwatch pour Kashi qui, ayant récolté un Mega Health, se retrouve assez tanky. Quoiqu'il n'a pas d'armure, c'est quand même gênant. Ah là, là, il sait où il peut la trouver, la meilleure armure du jeu. Elle est là. Oula, double touche au Railgun, vraiment pas mal. Beaucoup de double touche ce soir, hein, je le dis souvent, mais là il y a eu très très bon niveau Railgun. Pré-shot du respawn du téléporteur. Dans 3 secondes, le Mega sera de nouveau là. Ah, Crowder a apparemment compris. Le truc, c'est que voilà, il était en bas d'un escalier et même avec une ulti de Sorlag, il peut pas faire grand chose si t'as pas les armes pour ça. Tombstayer, c'est un personnage qu'il faut maintenir à distance. Hein. Il faut dire en reste. Voilà, un peu comme ça. Avec ce Lightning Gun, le problème, c'est que voilà, l'effet du Lightning Gun ne peut pas grand chose face à la force brute du pouvoir Berserk. Déjà plus qu'un personnage en vie pour Crowder et aux joies, c'est aussi le Doomslayer. Ah, visiblement, ça va pas durer longtemps, le petit combo kill. Double roquette suivi d'un railgun, histoire de varier un petit peu. Ah, Kashi en forme. Hein. Allez, Crowder, montre-lui ce que t'as dans le ventre quand même. Allez, on va te regarder, mon gars. Ta visor. Ah bon, on n'a pas regardé beaucoup de visor ce soir. Allez, venir te challenge la heavy. Bon, allez. Première touche au railgun, voilà qu'activé. Ah, c'est pas... Oula, cette décale qui fait mal, hein, qui envoie... qui éjecte ton visor du tournoi. Ouais, malheureusement, le problème, c'est qu'avec son spawn, il l'a vite croisé, quoi. Et puis, le bumper fait aussi un bruit caractéristique. Voilà, on a un duel de sort lag. Ça cherche la touche au railgun. Kashi, lui, est très très bon avec le nailgun. Donc, il a réussi à en caser quelques-uns.
Vu la cadence de rechargement du Railgun à partir d'une certaine distance, ça devient plus très rentable. En fait, c'est plus un poker qu'autre chose, je trouve, personnellement. Il y a toujours cette voilà, la ulti claquée du côté de Crowder qui s'en sert pour s'enfuir. Ah, il a trop hésité. Il a trop hésité. Il pourra lui mettre qu'une seule patate et une petite roquette. Mais de rien, ça suffit à le mettre dans le mal quand même. Mais voilà, il aurait fallu concrétiser en tentant autre chose après. Parce que là, c'était plus tellement le moment de s'enfuir. Round begins in 3, Ninja sort live. 2, 1. Allez, round 3, ce dernier round fight. Pour Kashi, qui risque fortement d'éjecter Crowder du tournoi et donc d'aller pour la troisième fois consécutive retrouver Nico en finale. Ça sera donc encore un duel Berserk eSport. C'est Berserker. Berserker eSport versus iGamers. Vraiment très très belle, très très beau skill de Railgun pour Crowder. J'espère que tu vas me faire mentir, Crowder. On a envie de voir, des nouveautés. Voilà. Récupère le Mega Health. La Heavy Armor, elle est up. Voilà, elle va être prise par Kashi. Elle n'est pas prise par Kashi. Ah, visiblement, il a voulu bait avec, mais c'est pas passé encore. Allez, première touche sur Railgun, tu peux le faire. Voilà, au moins, il t'a, bon là, il t'a empêché de prendre l'armure, mais. Tu peux le mettre dans le mal. Hein. Allez, on prend une. On prend pas le Trailbolt parce qu'il sert à rien, exactement, mon cher Crowder. Allez, là par contre, Doomsayer, maintenant il a un méga. Toi, tu commences à avoir un peu moins de 100 HP. C'est bon, c'est réglé. Qui est le meilleur dueliste de Quake en France, ma chère Emily? Ben, je ne sais pas pour l'instant. Strength n'est pas encore à son niveau total hein, sur Quake Champions, donc je ne saurais trop quoi dire en fait. Faudrait voir les performances des uns et des autres dans les qualifs au SWC, mais étant donné que Strength et Nico ont tous les deux pas vécu longtemps, difficile à dire. Wins y joue pas assez, Linkin non plus, donc j'ai envie de te dire, faute de mieux, je serais tenté de dire que c'est Nico pour l'instant. Parce que Strength fait encore beaucoup d'erreurs. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu Strength s'entraîner avec toi par contre l'autre soir et qu'il t'a déboîté, mon cher Nico. Je n'y pensais plus. Je sais pas comment dire. Strength a vraiment des éclairs de génie, mais on voit qu'il a pas encore pris tout à fait ses marques dans le jeu. Et Nico est plus constant. Mais ouais, en entraînement, on voit quand même l'expérience de Strength est assez prédominante dans certaines situations. Mais il y a des moments où t'arrives à le battre hein, quand même, Nico. La question là-dessus, malheureusement, pour moi. Bon. Après, hein, tu joues à Quake depuis 8 mois, donc ça va quoi. Allez, voilà qu'enclenché par Crowder. Qui peut achever le Doom de Kashi. Oh non, il s'est pris une sale ulti. Oh non, c'est écœurant là. Il aurait pu complètement renverser l'équilibre et avoir la possibilité de mettre un round, mais malheureusement, oh là là, mais cette ulti, elle est vraiment, elle est. Oh, c'est incommensurablement frustrant quoi. Kashi qui s'enfuit. Il n'a pas envie de perdre son Doomslayer. Il lui restera que sa Nyx. Et Nyx face à Doomslayer, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Une, deux fois, mais c'est vraiment pas conséquent. Bon, après, arriver à prendre Strength en duel, c'est quand même. Enfin, même sur des trainings, quoi, c'est quand même pas mal. Hein. Ce poche là, il s'est vraiment mis bien. Crowder. Je crois que malheureusement, la fin du tournoi s'approche pour lui. À moins qu'il trouve en lui la force du dragon. Ah ouais. Après Strength, tu peux lui mettre un Shoop Slayer et je pense qu'il commence à tilter et tu peux essayer de concrétiser après Nico parce que enfin après j'en parlerai après le match, mais il y a eu de la rigolade avec Strength en stream cette semaine, c'était merveilleux. Stopwatch. Et là au-dessus de toi, ouais. Ben. C'est sûr, mais on croit en toi Nico, on veut voir des nouveaux talents, on croit en Kashi aussi, on croit en Crowder, on croit en Mayams. On croit en Zulua, même s'il caste, il veut tout faire à la fois, ben il peut jouer aussi. Voilà. Entraînez-vous, c'est une petite communauté. Donc l'entraide est de rigueur, mesdames et messieurs. Venez qui paye.
Ah, tandis que le méga revient en 3 secondes et que Kashi raye le mur en attendant parce qu'il s'est peut-être un peu trompé dans le timing. Voilà, oui, effectivement, il a dû perdre le time parce qu'il a, il va le laisser à son adversaire du coup. Et là, Crowder, il a une chance de faire quelque chose, de remonter là-dessus. Voilà, mais Kashi, il avait bien mémorisé la heavy par contre. Il va pas tenter des échanges dans ce petit bout de couloir. Il y en a eu beaucoup quand même, hein. Bon, car après, il me shrub juste après. Ah oui, d'accord. Bah, tu le... Non, bah, tu veux pas le contre-contre-shrub, mais... On sort lui Anarchy, il déteste Anarchy Strength. C'est vraiment, c'est ça, mes histoires. Ah là, le petit caché du côté de Crowder, on est obligé de regarder du coup. Oula, ça sent les 5 minutes. Ah, malheureusement. Ouais, voilà. Le timer était presque arrivé à son terme. C'est donc pour la troisième fois consécutive, Kashi qui va retrouver Nicole chez Berserker Esports en grande finale de cette deuxième Friday Cup. Mais tout le monde déteste Anarchy, Nico. Si t'aimes Anarchy, c'est que. T'as quelque chose à te reprocher, IRL, voilà. Bon, contrôle d'item largement à la faveur de Kashi. Hein. En ce match, pas mal de précision au Railgun aussi. Après, bon, je crois que les stats, c'était celle du round, parce que c'est pas normal qu'il ait 44%. Je déteste ce perso et je sais pas le jouer, mais tout le monde déteste Anarchy, hein, vraiment, encore une fois, Nico. Ok, quelqu'un vient d'arriver sur le channel, serait-ce mon co-caster? Et oui, c'est lui. Eh bien, je vais me démuter, du coup... parce que c'est comme ça. Hola. Hola, ¿qué tal? Oh, está bien en la casa. C'est tout. C'est tout, ne parle pas plus espagnol, je ne sais pas, je ne sais rien. Non, non, moi j'ai pris italien en fait, parce que c'est plus facile en quatrième. Alors. Bon, ça biche ou quoi? Bah, ça biche très bien, et toi? Est-ce que tu m'entends bien? Check de son là, tiens. Est-ce que... Alors, je vais te monter un tout petit peu. Alors, vous, okay. Public, je vous demande votre...